Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau classement du Shonen Jump. Cette semaine, on parle bien sûr de l'issue numéro 51, l'avant-dernière de l'année, Dans le fond, on va virer bientôt à 2021. Oh yeah! Peut-être des nouveautés, qui sait? Sûrement pas moi. Peut-être le retour d'Hunter x Hunter? Oh, who knows? Mais bon, pour cette issue numéro 51, je suis Manga Anime Fan et je vais vous en parler... une fois que t'es abonné et que t'as commenté, ouais, like aussi. On se retrouve tout de suite avec le hors-classement. Cette semaine, c'est bien sûr la nouveauté Sakamoto Days qui se ramasse la couverture et les premières pages couleurs du magazine. On lui souhaite aussi bonne chance. La préface et Slim C sont de l'air sympathiques. C'est quand même... un employé dans un espèce de dépanneur qui travaille et qui se rend compte que son boss, ben, c'est un ancien assassin à la retraite. Ça peut être drôle, ça peut être sympathique. Qui sait, on verra. Sinon, les autres pages couleurs reviennent bien sûr au chapitre 2 de Build King. Et, c'est ça, hein, pour Build King. Sinon, les autres pages sont à Marshall. Elle est tellement belle, tellement simple, mais efficace. Et l'autre page couleur revient à Black Clover cette semaine. Sinon, dans les absences cette semaine, on retrouve My Hero Academia qui vient rejoindre notre habitué habituel que je ne nomme plus parce que je suis curé de le nommer. Ah ah! Donc, voilà. Maintenant, passons à la zone rouge. Cette fameuse zone rouge cette semaine qui fait très mal à toutes les plus récentes nouveautés. Donc oui, je s'entends par là que la dernière position est prise par High School Family. Que l'avant-dernière place est prise par Our Blood Oath et que bien sûr revient de sa page couleur pour finir cette zone rouge Phantom Seer. Oh! Est-ce qu'à Gravity Boys et Mary King vont s'en sortir un peu plus longtemps? Iiii, ça fait mal! Sinon, bien sûr, en 13e place, échappe la zone rouge cette semaine, c'est Mary King. Échappe aussi sa zone rouge habituelle en 12e, c'est à Gravity Boys. Sinon, en 11e, on retrouve bien sûr Hardball Cup and Dolphin. En 10e, fait une petite chute de sa 7e position habituelle, c'est Ayakashi Triangle. En 9e, fait son retour après une page couleur, c'est Mission Yusakura Family, ce qui n'est pas un très bon classement. En 8e, on retrouve We Never Learn, qui se rapproche de plus en plus de sa fin. Après ça, en 7e position, plein milieu du tableau, en fait, la plein milieu, c'était We Never Learn, mais bon, l'autre moitié du tableau, on retrouve Chainsaw Man. Je m'attendais à ce qu'il fasse tellement mieux Chainsaw Man, mais 7e. En 6e, surprise cette semaine, Magu-chan, God of Destruction. Pourquoi pas, hein? Pourquoi pas? En 5e place, fait la plus belle remontée de 7 positions pour cette semaine, c'est Undead Unlock. Ça m'avait fait un petit peu peur la semaine passée. Le manga est quand même encore sympathique. J'ai de l'espoir. En 4e, continue d'enchaîner le pied du podium souvent. C'est Mien Roboco. Ouais. Et clairement, le gag manga qui fonctionne le mieux dans le Jump en ce moment. De retour de sa page couleur, bien sûr, c'est Jujutsu Kaisen qui prend la médaille de bronze. En 2e position, perd sa médaille d'or. C'est One Piece qui retrouve sa médaille d'argent habituelle. En fait, c'est... il y a comme tellement de médailles d'argent qu'il est habitué d'être là. Et pour reprendre le podium, bien sûr, c'est Dr. Stone qui s'assure que c'est le cas. En mode, je suis la science absolue, je suis numéro 1 et je reprends mon poste. Donc c'est ça. Sinon, pour le preview des informations pour le 52e, ce que je peux vous dire, c'est que Jujutsu Kaisen aura le cover ainsi que les premières pages couleurs. Bien hâte de voir, ça va être comme notre... troisième cover de Jujutsu Kaisen en très peu de temps. Donc, on va encore changer l'image. On n'aura plus une image d'Halloween déjà. Ça ne va pas être long. Les autres pages couleurs reviendront bien sûr au 2e chapitre de Sakamoto Days, ainsi qu'à Magu-chan, God of Destruction, et à Ayakashi Triangle. C'est bon signe pour ces deux séries-là, tant qu'à moi, parce que les deux sont dans la début vingtaine de chapitres. Les deux se débrouillent quand même bien. Ils vont fêter leur demi-année bientôt. Mais bon. Il y a deux séries qui se rapprochent aussi de leur... trois séries qui se rapprochent de leur première année de publication. On verra bien ce que ça va donner dans les prochaines semaines. Sinon, ben moi, j'étais... et je suis toujours Manga Anime Fan. Je vous dis, on s'abonne, on commente.
Et plus de vidéos s'en viennent sur la chaîne tranquillement, pas vite. Je travaille fort là-dessus. À bientôt. Bye.